qui la se termine. Elle m'a traité quelqu'un de semaine d'avant. Bref, je vous explique. Là, je suis trop énervée. Mais vraiment. Là, je vais chez mon chirurgien. Ma cicatrice, je suis énervée, je suis fatiguée. Je suis pas finie, j'ai l'impression que ça finit jamais. Du coup, d'un moment, je n'ai même pas la force de conduire. J'ai plus d'énergie et j'ai les nerfs pour ma cicatrice. Je suis vraiment pas bien, je vous explique. C'est quand je l'ai vu la dernière fois, Marie. Il y a 4 jours, je l'ai vu. Et la cicatrice, j'avais même plus de croûte, j'avais rien. Elle était trop belle, l'opération elle était trop bien réussie et tout. Et là, en fait, ça s'est réouvert. Et il m'a dit d'arrêter de parler. Et il m'a dit. Parce que sinon, en fait, si ça se réouvre, en gros, je vais avoir une cicatrice que je vais garder à vie. J'ai trop peur de ça, je vous jure. J'étais vraiment complexée par ma cicatrice. J'étais trop contente qu'elle soit partie. Ça fait là, je vous jure, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Là, quand je parle, je tiens ma lèvre parce que j'ai peur que ça se réouvre. J'en peux plus, je vous jure. J'ai l'impression que c'est un cauchemar. J'ai pas envie de me retrouver avec une cicatrice en plein milieu du visage. Mais bref, j'ai pas le droit de forcer sur ma lèvre parce que ma lèvre du haut elle est trop lourde. Vous savez pourquoi je pleure, pourquoi je vois bien, pourquoi j'ai le seum? Parce que quand j'y suis allée il y a 5 jours, ben, l'opération elle était réussie. J'avais plus de croûte, j'avais plus rien. Je me suis dit ça y est, c'est fini, ça va être derrière moi. Et là en fait, c'est revenu. Et genre si jamais la cicatrice elle revient, et ben j'aurai une cicatrice à vie au milieu du visage. J'ai pas envie, j'ai trop peur de ça. Donc là il m'a dit je retourne le voir dans 2 jours et il faut que je fasse pas d'efforts, faut pas que je parle. Mais je me sens horrible, j'ai une croûte en plein milieu du visage, j'en peux plus de cette croûte, je vous jure, j'en peux plus, j'en ai marre. Bref, je vais me calmer et je vais écouter ce qu'il m'a dit. Là, il m'a dit de ne plus parler, il m'a dit de rester au repos, de ne plus bouger. Et je vous jure, cette cicatrice, elle me traumatise. Voilà. J'arrive à la maison, il faut que je me calme, il faut que j'arrête de pleurer. Faut que j'arrête de parler aussi, mais si je parle, genre faut que je tienne ma lèvre, quoi que ça ou la cicatrice là, il faut absolument que je me calme. Je vous jure, j'arrive pas à me calmer, j'ai les nerfs, je peux que pleurer. Bref, là ça commence à avancer, mais c'est pas fini, même là j'en peux plus, il y a le mec d'internet qui arrive et tout. Ma salle de bain, regardez, ça fait trop moche. Faut que je trouve une solution parce que j'ai trop d'affaires. Moi, ça regardez dans ma chambre, j'ai fait mettre des étagères là pour poser des affaires parce que j'ai vraiment trop d'affaires. Là, j'ai mis tous mes parfums et tout. Là, le problème, c'est qu'il reste encore plein de vêtements. Regardez, j'ai fait des étagères de partout, mes bébés, parce que je sais plus où ranger. Dans les placards, j'ai presque plus de place. Et il reste tout ça. Ça, c'est mes affaires de cheveux. Voilà.